Le Kinball est un sport original venu du Québec. Il oppose trois équipes de quatre joueurs, les noirs, les gris et les bleus. L'une d'elles va frapper le ballon d'1m22 de diamètre pour le faire tomber au sol. À charge d'une des deux équipes appelées de le rattraper sous peine d'être éliminé. Physique quoi qu'il en paraisse, le Kinball développe bien d'autres vertus. C'est respect envers soi-même, envers son équipe, envers l'adversaire, envers l'arbitre et envers les spectateurs. C'est un respect total. Le moindre écart est sanctionné. Donc on prend un carton jaune, on fait perdre des points à son équipe. Après, c'est la coopération. On est un sport collectif, on est quatre sur le terrain, il y a un gros ballon, il y a un grand terrain. On se doit de s'entraîner. Une partie peut durer de 30 minutes à 2 heures. Un championnat de France existe avec 4 divisions pour les hommes et 2 pour les femmes. La majorité des clubs de Kinball vient de l'Ouest. L'Ouest, berceau du Kinball hexagonal. C'est deux éducateurs qui ont ramené le Kinball en France. Un qui était à Angers, un qui était à Saint-Brieuc. Et qui sont rencontrés, puis qui ont décidé de commencer à faire des rencontres. Et puis au fur et à mesure du temps, y a de nouveaux clubs qui sont apparus. Trois clubs existent dans le Morbihan. Le Kinball Gwynedd à Vannes, le Kinball Illois à Lille-aux-Moines et le Berry Kinball, soit une cinquantaine de licenciés. Moi je voulais reprendre le sport, je faisais plus de sport depuis longtemps. Je suis venu essayer, ça m'intriguait cette grosse babelle là. Et il y a des valeurs en fait, des valeurs qui sont très fortes dans le Kinball. Vraiment une symbiose en fait, et c'est ça qui me plaît dans ce sport. L'originalité, le sport complètement décalé, que personne ne connaît. La solidarité qu'il y a dans les équipes et dans le sport, parce que voilà, c'est un sport qui est quand même basé sur la solidarité et le respect. Le mois prochain, la commune de Berry va innover. Elle sera la première commune d'Europe, s'il vous plaît, à disposer d'une salle omnisport avec un marquage au sol spécial Kinball.